Depuis plusieurs années, la commune de Figeac rend hommage chaque 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes à une femme engagée en attribuant son nom à un espace ou un lieu public dans la ville. Après Simone de Beauvoir en 2020 ou Gisèle Halimi en 2021, c'est cette année Olympe de Gouges qui a été honorée. Mercredi 8 mars, une cinquantaine de personnes s'étaient donc donné rendez-vous dans la galerie de l'espace François Mitterrand pour honorer Olympe de Gouges, écrivaine active dans les débats du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Après des lectures théâtralisées de ses pensées et de ses écrits par des membres de l'association Lire à Figeac, une plaque commémorative a été dévoilée, donnant à la salle des pas perdus, bien connue des Figeacois, le nom d'Olympe de Gouges. Son engagement pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pour l'éducation des filles et la liberté de leur choix de vie, fait d'elle l'une des premières figures du féminisme. Son texte le plus connu fut la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle est condamnée à l'échafaud pour ses idées et sera guillotinée en novembre 1993.